D'abord, je tiens à vous remercier tous d'être venus aussi nombreux. Cela dénote bien qu'il y a un intérêt particulier pour cette région qui nous est très chère, qui est très chère à Sa Majesté. J'espère que cette 13e édition, Inch'Allah, sera un exploit encore une fois comme les éditions précédentes et que vous allez contribuer tous à faire connaître encore plus ce Moussem de Tantane, qui est un patrimoine unique dans le monde, qui est une des spécificités marocaines dans tous ses aspects. Donc nous avons cette année le pays hôte qui est le Sénégal. Comme vous savez, le Maroc cette année est retourné à l'Union africaine grâce aux efforts déployés par Sa Majesté. Que Dieu l'assiste. Et donc, dans cet esprit-là, le thème du Moussem, c'est l'Afrique. Et pourquoi le Sénégal? Parce que Sa Majesté a fait son discours officiel du trône à partir de Dakar. Donc, c'était tout indiqué pour que ce pays soit à l'honneur cette année. Et bien sûr, comme chaque année, depuis 3 ans à peu près, nous avons les Émirats qui sont avec nous comme partenaires stratégiques et privilégiés. Et donc, nous avons une forte délégation de l'Emirat, presque plus de 200 personnes qui sont arrivées. Et nous ferons, Inch'Allah, demain une conférence économique qui sera la deuxième, qui, j'espère, portera ses fruits et que ça attirera des investisseurs dans cette région qui en a vraiment besoin, dans tous les domaines, que ce soit dans l'agriculture, dans le tourisme, dans l'environnement. Et je compte sur vous, bien sûr, encore une fois, pour faire connaître tout cela au monde entier. Bien. Alors, en tant que fondation pour cette édition, il y a de nombreuses activités culturelles. Notamment hier, il y a eu un concours de poésie où nous avons eu 150 jeunes entre 13 et 18 ans qui se sont inscrits pour faire de la poésie. Et c'était très émouvant parce que c'est des jeunes de la région qui ont fait des poèmes en arabe, en hassani, en français, en anglais. Donc demain, nous aurons l'occasion de les voir parce que je vais les faire venir pour qu'ils fassent une petite démonstration devant le parterre des hommes d'affaires et des ambassadeurs qui vont arriver demain. Nous avons une trentaine d'ambassadeurs du Maroc, accrédités plutôt au Maroc, et des chargés d'affaires qui seront présents demain à la conférence et pendant le déroulé du Moussem.